Hey, 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 et bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode de Maroa. Salut Théo. Donc Maroa continue sa toile après les divers dramas qu'on a essuyés la dernière fois avec Caleb qui bouffe le voisin, Caleb qui bouffe un mec random dans la rue, avant encore Maroa qui bouffe le voisin. Marwa qui bouffe Lisa à son anniversaire. Bref, j'en ai un peu ma claque. So, est-ce que toi tu as fini ton bouquin, gars? T'as 15 000 trucs. Non, mais tu peux continuer ton livre, comme je te l'avais demandé. Voilà, c'est très bien. La petite chatounette, elle va aller voir sa maman. Elle a toujours ses chachas. C'est chaleur, mais elle ne veut pas se reproduire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nabeshima? Alors, mais sérieusement, oui, bon. On peut pas parler à ça. Allons-y vers 8 h pour pouvoir y arriver, y entrer. Un concert dans un entrepôt abandonné secret du quartier de la mode. Ben, attendez. Ouais. On y va. J'ai cliqué sur OK. Ah, mais elle y va pas d'elle-même? Je sais pas en fait, comme je refuse à chaque fois tous les trucs. Tu dois aller. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas compris. T'es chiante, Nabeshima! Sans avoir besoin d'attention, bois, fifille. Oh là là. Tiens. Prends. Prends tout cet amour qu'on te donne, ma belle. Et alors, je voulais dire, c'est ça. C'est que je m'étais dit que Marwan n'avait pas de polichinelle dans le tiroir. Mais en revoyant en fait à quelle heure je leur ai fait faire crac-crac, c'était 9 h du matin. Et il est encore 9 h du matin. Donc je ne peux pas encore affirmer qu'elle ne soit pas enceinte. Suspense, suspense, on le saura dans cet épisode. Mais moi, je ne veux pas. Hein, Marwan? Hein? Tu es stérile? Hein? Dis-le que tu es stérile. Et alors, oui, la petite, je l'ai relookée. Et à la fin, t'as faim, tu vas manger plasma fruit, manger plasma fruit, manger plasma fruit, manger plasma fruit. Je l'ai un peu relookée. Bon, elle est un peu rondelette, hein, mais voilà, je lui ai fait. Je vais ajuster un peu ses tenues. J'en ai profité, comme ça au moins, c'est fait. Et il n'y a pas de problème. Voilà, et puis, ouais, elle est matérialiste, elle est. Elle aime la nature. Attendez, je sais pas où c'est. Adore la nature et amoureuse des chats. Ah, as des baguettes. Remettons. Ah ouais, d'accord. Ok. Tout va bien alors. Et que disais-je? Mais Marwa, finis tes toiles. Ah oui, tu l'avais fini, excuse-moi. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ouais, je l'ai reluqué. Et on va vraiment essayer de la caser avec Gaston. Bon, toi, t'avais rendez-vous avec Gaston, je sais pas. Et puis t'es malade. Ouais, t'es malade, ma belle. Tu vas dormir, tu peux pas. Alors, elle peut dormir qu'après avoir fait crac-crac, mais elle peut pas dormir en tant que dormeuse. Tu vas, du coup, influencer les émotions. Oh! Mais je l'ai jamais fait ça. Je crois que je l'ai vu qu'une fois. Oh mon Dieu. C'est pas ce que je voulais faire. Méditation, parce que. Ah ah T'es belle. T'es trop belle, Marwa. Bon, reprends ta toile. Nous, on va laisser Kalebou faire son bouquin. Parce que puis on devrait avoir les droits dans pas très longtemps. Si j'ai pas dit de bêtises. Nabeshima. Nabeshima, elle est en train de faire sa live dehors. Bah voyons. Je sais pas où elle est. Mais elle est. Mais elle est où? Ah, c'est bon, elle est revenue. Bah alors, saleté, va. Elle est complètement folle, cette chatte. Et hop, elle repart. Qu'est-ce qu'il y a?
Ben oui, mais quand on te ramène des bébés, des chats, tu veux pas te faire bébé, alors... Le voisin. Le voisin, il est en retard pour l'école, hein. Mais j'en ai marre, moi, ils vont trop vite, j'allais dire, ces fantômes. Ces vampires. Ça va trop vite. Tiens, puis tu pourras ranger ça, Marwan, s'il te plaît. Ah, mais on a eu les droits d'auteur, j'ai même pas fait gaffe de combien. Bon. En tout cas, ça commence à rapporter, donc c'est plutôt pas mal. Rieko. Rieko, si tu veux, tu peux appeler Gaston. Tu discutes, tu lui envoies un SMS. Tu discutes, tu lui envoies un SMS. Tu fais un peu de stalking, tu vois, histoire de. Et puis entre-temps, tu vas bouffer un plasma free, parce que tu les bouffes. T'en bouffes pas autant que je te demandais d'en bouffer. Et tu me gonfles. Comment? Je suis en train de dormir? Bon, ça va, il est 10 h du mat, feignant. Ouais. Punaise, c'est parce que c'est un putain de vampire, alors du coup ça... Oh, qui m'énerve. C'est franchement... C'est buggé, quoi. Les trucs des vampires, c'est buggé. Tu peux jamais rien faire avec eux, quoi. Bon, alors, moi je dis... Marwan n'est pas enceinte. Et c'est une bonne nouvelle! Ce coup-ci, je pense que je peux l'affirmer. Tiens, tu vas... Voilà. Tu vas créer un petit plaque de plasma. T'en as plus grand chose, les plaques de plasma. Tu vas boire. En plus, je sais pas si ça se manifeste de la même façon que chez les Sims normaux. Normal, parce que c'est des filles. Pour savoir si elles sont enceintes ou pas, s'il y a la faim qui est. À mon avis, ça doit être la même chose. Hein, mais... Voilà, ça fait du bien du plasma de grenouille. Hein. Il y en a une qui s'éclate. Hein. Ouais! Dis donc, j'ai pas fait gaffe à tes pouvoirs. 9. Ah, on va pouvoir te gérer un petit peu. T'as rien acheté, mais tu m'étonnes. Le truc contre soleil, c'est chiant, c'est où? Charme vampirique. Détecter la personnalité. Chauve-souris. Créer une hallucination. Prendre un point faible. Buseuse médiocre, estomac faible. Voilà. Parce que j'aimerais bien lui faire prendre le truc contre le soleil. Inviter Marwan à danser, illuminer la journée. Mais non, qu'on est coloc. Voilà, Caleb a fini son livre, c'est super. S'enthousiasmer à propos des chats. Bah oui. C'est pas comme si on t'avait connu et rencontré largement avant la donne, que la donne sorte, hein, mais c'est pas grave. On dira rien. Demander une formation vampirique. Voilà. Calebou a fini. Calebou, il pisse? Mais. Mais les vampires, ils vont pas aux toilettes? D'accord, j'ai pas compris. Tu vas vendre ton bouquin. Ouais, j'ai pas compris là. Et puis il a sacrément pissé, dis donc, il avait sacré jet quand même. Ah, un petit vampire. Ah, non, je sais plus parler. Petite formation vampirique. Il est où? Bah oui, il est dans le couloir. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là 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 là. Moi, tu viens de là. Bah tiens, tu vas te laver. Tu vas prendre une douche. Voilà. C'est très bien, comme ça. Rieko essaie de créer une hallucination à Marwa, mais bien sûr, Marwa étant plus forte. Tu t'es planté! Ta-da-da-da! La tête. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les gosses? Oh, Nabeshima est coincée dans le mur. Nabeshima! Bon, voilà, on va un peu avancer. Donc, Marwa n'est pas enceinte, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis ravie. Bon, alors, j'achète 20 packs de plasma direct parce que on va en avoir pas mal besoin. Parce qu'ils bouffent très vite ces putains de vampires là. Je vais en donner à Marwa. Si Calais bleu veut bien. On fait un partage de biens ici dans ce couple.
On est sous la communauté du partage, ou je sais pas quoi, là. Enfin, moi, j'y connais rien. Donc, venez, ne montez pas sur vos grands chevaux. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Oh, ça y est, il est romantique! Oh, Marua. Marua. Oh mon dieu, il est en train de chanter là. Ah bah, ça faisait longtemps. Je préfère ça, finalement, aux crises hein, qui nous font, parce que là... ça commence à devenir lourd, hein. Toi aussi, tu vas lui chanter un truc. Amour, jouer la sérénade. Voilà. On a un concert. Il s'est quand même amélioré au niveau de la voix, hein, Caleb. Hein. Ça va de mieux en mieux. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Oh, oh, oh. C'est moignon. C'est moignon, tout ça. Bon, Marwa, tu pourras jeter. Vendre ta toile aussi. Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce que qui te prend? Tiens, tu vas faire une petite méditation. Marwa aussi. Parce que je les emmènerai bien quelque part, mais vu que c'est toujours des dramas quand on va quelque part, on va rester enfermé chez nous. Hein. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Marwa, tu vas reprendre un petit pack. Tu es là. Tu vas faire des grimaces, tiens, avec Calibou. Caleb, il regarde Rieko, il se dit, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, il se contemple lui-même dans la... Il contemple son portrait. Eh, mais elle a fait une autre grimace que je connais, dis donc. Trop drôle. Je veux revoir ça, moi. Drôle. Faire des grimaces. Vas-y. C'est une drôle de grimace, ça, quand même. Toi aussi, tiens, tu vas aller faire des grimaces. Faire des grimaces. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, frime, d'accord. D'accord. Ouais, ils sont amoureux quand même, hein. Ah là là, mon dieu. Être amical avec Marwa. Oui, d'accord. J'ai même lui embrasser les mains. Et elle a demandé d'avoir quelqu'un dans une relation sérieuse. Mais c'est toi qui es sérieuse, meuf. Tu t'es mariée avec lui. Je vois pas ce qu'il y a de plus sérieux que le mariage, quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Signer un pacte d'amour éternel. Remarque, ça pourrait être rigolo. Oh yeah! Caleb a réussi à ne pas boire du plasma sans autorisation depuis un jour. Eh ben, quel talent, Caleb! Je t'ai dit d'aller écrire. Tu me casses les couilles. Et toi? Qu'est-ce que tu fous, toi? Je t'ai dit d'aller dormir. Et au bout d'un moment, si vous faites pas ce que je vous dis, ça va être la bérésina en moins de deux. Voilà. Allez, au boulot! C'est tout mignon. Quand elle joue avec la chouchoute. Bon, elle a plus ses chaleurs. Hein. Elle a plus du tout ses chaleurs. Et un truc que je voulais tester, proposer de sauter dans les bras. On va voir ce que ça donne. Allez, vas-y. Saute dans les bras. Oh, ça va, c'est mignon. Ça va, c'est mignon. Plus de choix amical. On donne des bisous spéciaux, pardon. Un concert, super, allons-y. Ok. Allez. Ah, c'était le 8h du soir, c'était pas le 8h du matin? Ah bah voilà, moi je sais pas, hein. J'apprends. Avec les Sims, j'apprends tous les jours.
Eh ben voilà, je suis déçue en fait, parce que Marwa s'est barrée sans nous. Je pensais qu'on allait la rejoindre, mais bon, non. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est la déception. Toi, t'écris encore ton livre, c'est cool. Nabeshima, elle crie tout, fait des roulades, tout va bien. Et Rieko est en train de dormir. Tiens, bah tu vas te réveiller parce que. Parce que ça y est, tu es plutôt en forme. Tu sais, tu vas me faire des petits joggings énergisés parce que t'es plutôt en roubaix et ça fera du bien. Vous voyez, je l'ai relooké. Enfin, j'ai juste mis son pantalon noir au lieu de le laisser rouge. Et j'ai changé les chaussures pour aller avec le haut. Donc voilà. Bon, Kalebu a fini son bouquin. Marwa vient de rentrer. Ok. Qu'il y a une soirée fantôme. Bah allez, on y va tous. On y va tous. Hop. Ça va être la fête des fantômes ce soir. Nous voilà. Bon bah du coup il a pas mis son bouquin. Oh mais tu pues Rieko. Bah oui c'est vrai, elle était en plein jog. Jog, tu vas te laver les mains, laver les dents, laver les mains, laver les dents. Ça devrait déjà te faire. Mais tu le fais. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est quoi ton problème? Viens là. Tu peux pas aller là. Mais. C'est quoi son problème à elle? Ah oui, mais j'ai oublié de changer sa super démarche, mais au moins, c'est naturel. Parce qu'il y a quelqu'un qui va utiliser le lavabo, donc. Mais arrête, tu me saoules, putain! Mais l'accès, il est verrouillé, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est chez les mecs! Oh, ils nous font chier avec leurs trucs comme ça, quand même. Oh! Tout ça pour ça, hein? Nous, on sait pas, hein, on joue avec les murs quand même à moitié coupés, ils devraient le savoir, les Sims, quand même, hein. Ça devrait être tout bleu et là tout rose, au moins on aurait compris. Oh là là! Il y a des fantômes dans ce bar qui hante le baby-foot. C'est pas cool. Hein. Oh, Lily, ça a pas l'air d'aller trop. Ouais, Marwa, appelle Gaston! Rieko, elle va essayer de. Voilà, elle pue moins. On va essayer de le dragouiller encore un peu. Gaston doit en aller. Ouais, tant pis, on va faire une partie de Bear Foot. Marwa, arrête avec ton verre, espèce d'alcoolique. Bon, Caleb, il a l'air de perdre. Boisson décevante. Surpris par un fantôme. Bah, c'est une soirée fantôme en même temps, donc bon. On pourrait presque croiser les parents de Marwa, ça serait très très drôle. Clara, Stéphane. Ça c'est qui? Zoé Patel. Bon allez, qui joue au baby-foot? Bah joue Rieko, hein, c'est pas. Tu vas faire perdre Lilith sinon. Alors. Ah ça y est, je vois la balle. Ah! Personne qui marque. Moi j'en avais un quand j'étais plus petite, le baby foot, et c'est vrai qu'on a vraiment joué vraiment beaucoup. C'était très sympa. Mais elle joue pas, hein, elle est buggée ou quoi? Oh là là, Marwa! Ouh là là, Marwa! Marwa, ça va pas. Elle a des étourdissements. Ben bon, vous savez bien que quand il y a un Sims qui est malade, il y a toute la fratrie qui est malade aussi. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, ça a pas l'air. Mais je crois que Caleb et Marwa sont en train de perdre. Ça va finir en drama, ils vont s'engueuler parce qu'ils n'ont pas gagné au baby-foot, quoi. Tout va bien. Ah bah ben non. C'est un partout. Mais. Caleb! Oh là, ouais, ça y est, elle grogne, il n'y a personne qui l'aime comme d'habitude.
Et voilà, bah ils ont perdu. Mais ils jouent un match combien de temps en fait? Parce que bon. On va pas rester comme ça à 3 heures à regarder. En même temps, c'est des vampires, tout va bien quoi. Ils ont pas faim. Enfin, un petit peu, mais. Ouais, vous avez gagné. Surpris par un fantôme. Oh non, Caleb, arrête avec tes délires. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gosses? On va pas rester là jusqu'à pas d'heure à jouer au truc. Hein. Allez, on arrête là. C'était bien sympa, la soirée fantôme. Merci Lilith pour l'invitation, on n'arrête pas de la voir finalement maintenant. Il a fallu qu'elle se décoince. Oh là là. Faire crac-crac dans le placard. Allez, un petit crac-crac dans le placard, ça fera du bien. Par où ça passe? Un marois. Va inaugurer un... Oula, il est pas content. Hein. Attention, il est pas content. Calibou, ça te dit de... Oui, le placard, bonne idée. Ah, j'ai une envie. J'ai une envie pressante. Oh, c'est tellement bien fait, l'animation. Oh là, oh là. Ouf, ouf. Oh, et donc, ils vont péter les portes. Ils vont nous péter les portes, ces salopios. Et ouais, vous continuez de jouer contre personne, en fait. Au moins, les trucs en face, elles bougent pas, parce que sinon, ce serait bizarre. Bon, et ben c'est cool. Hein. On va parler un peu à Lilith. Discuter du stress, oui. Est-ce qu'un vampire peut faire crac-crac avec... Oula, ça fume par ici. Peut faire crac-crac avec un fantôme et faire un bébé avec un fantôme. G-Intinton 3. Waouh, elle a carrément découvert tous les traits. Oui, amour. Est-ce que tu es célibataire? Ça peut être rigolo. Non, mais j'ai envie de la caser, quoi, Rico. Si Gaston veut pas d'elle. Bon, vous allez mieux, vous deux? Oh, punaise. Elle a plein de trucs sur la peau. Oh, elle t'a soif, ma belle. Un rhume du cerveau et la soif. Alors, crac-crac dans les lieux insolites. Et c'était agréable. Donc, c'est très bien. Et toi? Tu trouves que c'était spectaculaire. Oh ma pauvre, je pense pas qu'on ait encore des médocs. Je ne sais plus. Il y a tellement de choses dans son inventaire. Je sais plus où j'habite moi avec toutes ces conneries. Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Est-ce que Calibou il en a? Non, il n'y a pas. Ouais, non, mais c'est bon là, on arrête de picoler, tout ça, hein. Puis on va rentrer. Voilà. Rieko. Non mais c'est pas lui que je voulais que tu dragues. Bon, c'est pas grave. Allez, on y go, Marois. Tu lead. Tu... Voilà, on y va. Lilith, non, on l'emmène pas parce que sinon ça va créer des dramas aussi encore. On rentre à la maison. Et on est rentré. Oh là, j'ai entendu Nabeshima hurler. Oh ma fifi. Mais non, Fifi. Oula, 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 oula. Ah, attendez, attendez. Calmez, voilà. Il faut la calmer. Arrêtez avec ce putain d'ordinateur, là, j'en ai ma claque. Hein. Oh! C'est pire que des humains. C'était dans... Commander? Non, je sais plus. Je ne sais plus, qu'est-ce que je dois faire? Mais si, c'est ça, commander. Oh, je confonds avec le truc des plasmas. Médicaments. Un petit 5, hop, voilà. Marua, tu vas prendre les médicaments. Voilà, on va dépenser des sous aujourd'hui. Hein. Allez, ma belle, c'est pas grave, c'est juste de la musique. Voilà, Fifi. On va éteindre d'ailleurs. Voilà. Marua, ça va mieux. Toi, ça va super. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il va te faire foutre. On s'en fout de ta vie.
On va vendre un Eternaut bouquin. Faut faire la mettre en veilleuse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi qui baisse tellement fort que tu fais craquer les... Quand même. Alors, est-ce que on va faire crac-crac normal. Allez. Hein. On réessayera une autre fois. Pour le baby. Voilà. Et elle va nous faire une toile, je le sens bien. Ok, et eh ben écoute, si tu nous rapportes de l'argent, moi je veux bien, Rieko. Bon, moi c'est sur là-dessus que je vais vous quitter. Un épisode un peu plat, je l'avoue, un peu plat. Mais bon, voilà, ça fait passer le temps, et puis on verra pour la prochaine, effectivement, si je mettrai pas vraiment les bébés en route. Et puis, ben, Rieko, elle est pas destinée à rester tout le temps avec nous, hein. Je vais essayer vraiment de la caser avec Gaston, et puis ce sera peut-être pour la semaine prochaine, pour l'épisode prochain. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, je vous fais des très gros bisous, et à bientôt pour la prochaine fois. Allez, salut!